Bonsoir YouTube, et bienvenue dans le jeu Le Maître du Dojo de Nalbuk. Ce n'est pas Zangdar, c'était Lux. Alors, découverte du jeu de gestion issu de la licence de l'univers étendu du Donjon de Nalbuk. Et là, c'est un jeu à la Dungeon Keeper, pour ceux qui connaissent, enfin d'après ce que j'ai compris. À savoir, on est le maître d'un donjon et on doit gérer ce donjon et le développer. Ah mais GG Féline, moi ça me prend plus de temps, hein. Même si c'est pas très grand. Tu dois être trop forte. En tout cas voilà, vous pouvez dire bonjour, vous pouvez dire coucou YouTube dans le chat si vous voulez. Et ensuite, on va lancer le jeu. Il vient juste de sortir, il est sorti il y a 5 jours, 4 jours. Et voilà. Hello Stiffy, hello. Et on va pouvoir lancer le game. Je suis prêt à un vent total, hein. Je vous ai dit, vous pouvez dire bonjour YouTube. Ah voilà, merci. Merci, merci, ça va. Salut Emo. Merci. Ouais, je vois Féline. Ah, merci. Ok, c'est bon, ça va. J'allais bouder un peu. J'avoue, j'allais bouder, là j'allais cut. Bref, pardon, VOD. On va lancer. Nouvelle partie, campagne ou mode libre. On va faire la campagne. Zangdar, le maître du donjon de Nalbuk, recherche un intendant. Ses missions, construire, aménager, recruter des sbires et accroître sa réputation. Compétences, soumission au maître indispensable. Oh, hein. Donc on aura plusieurs... Personnaliser vos conditions de jeu. Oh. Et ici, Zangdar au rang du maître incontesté. Évidemment, on va faire le mode campagne. Voulez-vous commencer le mode campagne? Oui. Nanocheck, ça va, vous avez dit bonjour. C'est bon, vous n'êtes pas les joueurs du PSG, on vous paye pas pour dire bonjour. Ok. Oh, cinématique! Ah mais le chat, il gêne! Oh, le chat, il gêne tellement! Désolé pour le... Well, excuse... Depuis des décennies, oui, le donjon de Nalbuk brille... Ah, c'est la vraie voix! Je veux plus fort! Mais du coup, c'est pas moi qui vais le doubler, alors. Oh. Ok. J'ai fait passer? Merde, c'était pas passé que je devais faire, je vais faire suite. C'est ça qu'il fallait que je fasse? Soussou! Comment qu'il va la Soussou? Ok, on déplace et on fait AE, AE. Évidemment, c'est en AZERTY de base, ce qui est fantastique! Bienvenue dans... Oula, le bruitage! Bienvenue dans le donjon de Nalbuk. Le donjon est dans un état déplorable depuis trop longtemps. Votre mission est de restaurer, en d'autres termes, le rendre rentable. La rentabilidad! Comme vous pouvez le constater, sa réputation est actuellement de 1, ce qui est vraiment mauvais. Votre objectif est de l'améliorer afin de devenir le donjon le plus redouté et le plus attractif des terres de Fang. Martian! Comment qu'elle va là, Soussou? Ça a été ton stream que t'as arrêté beaucoup trop tard, je crois. Par rapport à ce que tu devais. Si tu devais faire un truc genre dormir un jour. En tout cas... Je suis fatiguée. Oh, ça m'étonne un peu. Mais ça va. Punaise, j'en étais sûre, le chat allait être mal placé. Ah! Faut que j'arrête de crier. Je vais vous mettre dans un coin. Attendez, hop, je fais comme ça, et je vous mets en biais. Moi, je trouve le biais, c'est bien, ça gêne moins. Et comme ça, on vous voit un peu. Ouais, c'est nickel. Mais ça va. Ah. Attends. J'ai pas de musique, du coup? J'avais mis la radio on. C'est que des Zandar. C'est Iou. Je sais pas où il est, Zangdouille. Ah, il est là! Je peux baisser les murs parce que je vois rien. Je dominerai la terre de Fang. Voici Zangdar, le maître du donjon. Si sa jauge de patience est vide, la partie est terminée. Ah merde! Ah, il faut en plus gérer Zangdar. Je pensais que ça allait être nous, Zangdar. Va falloir gérer le maître du donjon pour qu'il soit content. Oh non, mais ça va être un Sims. J'ai bien mangé, je suis en forme, je suis tout propre, je suis motivée. Ah bah c'est super, Zangdouille. C'est super. On est content pour toi. Tu aimes faire fouetter le conseiller Revax. Super.
Dictionnaire Evax. Bah, faut que je le trouve. Où qu'il est. Oh, mais il a deux cœurs. Ah, je suis trop loin. Je deviens fou. Je me parle à moi-même. Oh, t'es pas la voix d'avant. J'ai bien mangé, je suis tout propre. Le maître du donjon n'est rien sans son bras droit. Imaginez, il lui faudrait s'adresser lui-même au larbin et au monstre. Revax, naturellement lâche et fourbe, est vénal et plus intelligent que la moyenne. Certains disent qu'il dirigerait lui-même en secret le donjon à la place de Zangdar, profitant de sa crédulité. Ah mais Zangdar, il est trop nul. Nouvel intendant. Il est pas trop nouvel, hein. Sectionnez un sbire. Toujours prêt à travailler, maître. Origine, un métier, un grade, un salaire. Les sbires grade 1, les stagiaires ne coûtent rien. Ah, c'est un stagiaire. Un sbire gagne de l'expérience en travaillant et augmente son grade. Un sbire gradé réclame un salaire plus élevé, mais échoue moins dans ses tâches. Sur la Terre de Fang, l'unité de temps est la décade. Ok. À chaque décade, un des sbires... Tous les sbires reçoivent leur salaire. Les frais du donjon prélevés à chaque décade sont en orange. Chaque sbire a des besoins spécifiques. S'ils ne sont pas satisfaits, les jauges de santé et de morale diminuent. Le sbire meurt quand sa santé est épuisée et démissionne lorsque son moral est plus bas. Maître, hein. J'ai une question. C'est non étrange pour un donjon maléfique d'avoir une taverne ouverte au public. Ah, ça bah, faut faire la moula, hein. Pratique pour gagner quand même un peu d'argent. Bah oui, hein. Je suis pas très doué pour la faire tourner. Je vois. En tout cas, cela pourra nous être utile. Ah si, c'est sa voix, si si, à peu près, légèrement, comme... Pas comme avant tout à fait, mais un peu. Elle est où la taverne? C'est ça? Ah, c'est une taverne à une table. C'est une monoverne. Tu me donnes ton avis sur le jeu, j'ai trop envie de le tester. Ok, je pense que ça va être la gestion, quand même... Comme on connaît, quoi. Genre un peu comme un Two Point Hospital, ou des trucs comme ça. Je pense. Oulou, Zangdar, la princesse, là, j'avoue, excuse me, princess, quoi. Nous n'arriverons pas à garder du personnel avec des locaux aussi démunis, maître. D'accord. J'ai pas d'argent à dépenser pour que mes serviteurs se prélassent dans le luxe. C'est pas vrai. C'est-à-dire, c'est une question de standing. Dans le c'est toi, standing. Wismar, par exemple, ils ont 18 toilettes rien que pour les serviteurs. Quoi? Ces imposteurs? Bon, débrouille-toi, mais fais le minimum. Ce n'est pas un hôtel ici. Bon, alors, voyons voir. Déjà, il faut absolument des toilettes. Le pot de chambre et l'état de fumier, ce n'est plus possible à notre époque. Ok, je vais construire des chiottes. Mais des chiottes pour... Mais attends. La taverne, elle est ouverte au public, mais le public arrive par où? Oh! Dieu sursaute à cause des paix. Merci, bah tiens, je veux dire avec un peu la voix de Zangdar. Merci beaucoup, Dilibel, pour t'être abonné à cette chaîne. Merci beaucoup, enfin, merci. Je sais pas pourquoi je me suis caché, hein. Merci beaucoup. Go faire une salle à caca. Oui, c'est... un Johnny, non. Onglet construction, pardon. Salle d'eau. Merci, j'espère que ça va. Petit Didi Bar, latrine. Porte, latrine. Tracer les murs. Au sol. Le coût d'une salle augmente avec sa taille. Ah. Est-ce qu'il faut que je les fasse adjacentes? Ou que je les fasse sous les toilettes? J'ai fait dans le coin là par exemple. Oh la musique elle me stresse. Je vais laisser les couloirs. Je vais laisser. Je vais faire des toilettes. J'en fais des petites? Non, je vais en faire un endroit où je pourrais les agrandir. Genre ici. C'est de bonne taille de chiottes, ça. Pour les toilettes, normalement, je mets toujours les portes au bord, comme ça fait de l'espace pour mettre les toilettes. Oh, mais c'est tout petit en fait. Comment je pivote? RT. Si c'est triste. Ça, j'en mets d'autres. Mais du coup, c'est des toilettes où on est tous ensemble? Validé et payé. Oh, mais il y a un petit renfoncement ici. Attends. Il est possible de stopper ou d'accélérer le temps? Oui, d'accord. Ah, ils doivent la construire!
c'est même pas des gobelins et tout. C'est juste des humains chauves. Ah si, ils ont des oreilles un peu pointues. Encore du travail. Ok. Parfait, nous avons des toilettes correctes. Maintenant, des dortoirs avec des lits. Je ne te paye pas pour faire la sieste. D'ailleurs, au sujet de mon salaire... Plus tard. J'ai des recherches magiques en cours. Je crois qu'il va falloir que je mette une petite caisse noire de côté. Et tu dis ça devant Zangdar, t'es un dégène, mec. Les chambres, faudra que ce soit grand. Je pense. Ils sont chiants, ces colonnes-là, elles gênent un peu. Bonsoir, yo yeuse comunauté de Nicta López adorant danser en ruler dans du jambon au clair de lune. Avez-vous entendu parler de notre Seigneur Sandar? Notre Seigneur Sandar? Merci pour le text-to-speech. Effectivement, tu es parfaitement dans le thème. Salut, Ming. Comment que tu vas, toi? Ok, je me la porte ici. Est-ce que j'en mettrais type à une? Vers les toilettes. Ce serait malin. Oui, je vais faire ça tout de suite. Voilà. Et là, je mets aussi une porte vers ici, peut-être. Non, il me faut des murs. Valide. Ah non, 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 je vais pas faire... Non, je vais valider. Je mettrai d'autres portes, peut-être, à un autre moment. Du coup, là, ça construit, donc faut que je fasse accélérer. D'accord, les murs sont pas pareils selon ce qu'on construit. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Attends, dortoir. Et là, je peux mettre des lits. Ah, les autres, c'est bleu. C'est qui est bleu. La salle n'a pas de mur. Oh bah si, si, elle a des murs. Si, si, je te confirme qu'elle a des murs, la salle. Je l'ai pas sélectionné. Voilà, c'est ça. Et du coup, là, je fais ça. Je fais dortoir. Et là, je peux... La salle n'a pas de mur. Comment ça? Si, si, je te promets qu'il y a des murs placés de lits, monsieur. Super. Modifier la salle. Voilà. On s'en sort. Comment je... Attends, RT. C'est un lit, ça? Bon, pour le moment, je mets 6 lits, c'est bien. Oui. Pour en rajouter d'autres, de parts et d'autres ici. Au milieu aussi. Et là, je pourrais en rajouter ou mettre une porte. C'est bien. Les dortoirs, il faut faire en sorte qu'ils puissent évoluer. Sinon, c'est vite chiant parce que t'engages des gens et tu peux pas. T'es obligé de refaire un autre dortoir à l'opposé de là où t'avais prévu la salle où ils peuvent faire dodo, et, enfin, où ils peuvent faire les besoins et tout. Bref, vous avez compris. J'ai fait une razzia à la librairie à côté de mon taf. Roman de l'univers attendu de Star Wars. J'ai pu regarder une super vidéo sur les différentes factions de Warhammer. Oh ouais! Grosse journée nerd, oui, c'est vrai! Me, princess. Tu peins aussi les figurines Warhammer ou pas du tout, Mint? Tout le monde n'a pas droit au PQ. Mais c'est vrai, ça! Et du PQ là, il y en a pas! Et là, il y a de la flotte, bref. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est sympa qu'il y ait un petit côté aléatoire sur le skin du meuble. Là, je trouve ça cool. Ça rend le truc un peu plus vivant, un peu. Ça rend les salles un peu moins monolithiques. C'est pas le bon terme. Les améliorations des quartiers de vie sont terminées. Oui. J'ai remarqué, c'est moi qui ai terminé. Pas mal. Mais c'est cher tout ça. Il va falloir. Ça va, je trouve, non ? Si je voulais être ruiné, j'aurais engagé un architecte d'intérieur. Mais en vrai, ça. Certes, mais je ne sais pas trop comment nous pourrions vaincre un groupe d'aventuriers, même débutants, vu l'état du donjon. Ouais, donc on aura bien à faire ça comme dans Dungeon Keeper. On devra affronter les aventuriers qui viendront nous faire chier. Nous ne sommes pas au niveau, c'est entièrement de ta faute. Mais je viens d'arriver et je... Bon, en même temps, je sers un sorcier maléfique, pas une œuvre de charité. Ah, mince, je pensais qu'il allait avoir une suite à ça. Non, ça va, j'ai 9000 boules. Il faut que j'améliore ma taverne, moi, je pense. Est-ce que je peux l'améliorer? C'est ça qui rapporte de la moula. Je peux mettre un autre comptoir. Ben non.
Je voudrais une autre table, moi. Je peux pas encore. Peut-être la cuisine d'améliorer ? Un garde-manger, il y en a déjà un, c'est ça ? Oui, il y en a déjà un. Bon, j'ai pas l'impression que ça va rajouter grand-chose. Du coup, on va regarder ce qu'on peut faire. Pour assurer un peu de rentrée d'argent, il faut développer cette taverne. Mais excuse, j'avais compris ? Parti. Encore un pleutre et un ingrat. Ah, on va engager un tavernier. J'ai mieux à faire. Je dois me concentrer sur mes recherches magiques. Je suis tout à fait dans mes cordes. Alors voyons, il faut des tables pour les clients, de quoi servir de la nourriture... Pendant ce temps, je vais prendre un abonnement à quelques publications périodiques concernant la gestion des donjons maléfiques. Ce sera plus moderne. Regarde des vidéos de coaching aussi. Je me demande s'il sait ce qu'il fait. Et surtout, ne dépense pas trop. Nous sommes censés extorquer de l'or aux pauvres, pas nous ruiner en mobilier pour ivrogne. Un mobilier pour ivrogne, ça va dans le thème d'une... Non, pas trop d'un donjon. Alors, chaque objet de la taverne a un coût d'entretien qui est automatiquement déduit au début de chaque décade. Ah oui, chaque objet va me coûter des sous après. Waouh ! La somme orange comprend tous les salaires et coûts d'entretien de la taverne. Ok. Nombre de clients et de revenus. Clients 6 sur 6. 15 par décade. Bon, bah vu que ça nous coûte 47, c'est pas fou. Vos idiots de sbires occupent des places de vos précieux clients pour manger. Quoi ? Mais cassez-vous, idiots de sbires ! Ok. On va rajouter des tables. Non, attends, je veux modifier cette table, elle m'énerve. Je vais pas faire la symétrie, je suis pas une dégène non plus. Voilà. C'est pas symétrique, mais c'est un petit style. Ça va, ça va. Validé. Ça va, ça va. C'est ça. Pourquoi j'ai le fantôme d'une table? Parce qu'ils vont construire. Ah oui, c'est pas encore construit, c'est ça? Ah ouais, c'est ça. Un peu moins uniforme, oui c'est ça, monotone. Ah oui, monotone. Les sbires utilisent la taverne comme cantine. Il me faut prendre ça en compte. Ouais mais il leur faut une cantoche perso. Voilà, table et buffet. Cela devrait suffire pour attirer... Mince, je vais faire suivant, je vais faire juste passer... Merde. Je vais faire passer cette bulle de dialogue, pas les autres. Oh, cinématique de fou. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il a pas toqué ! Orlof au rapport, maître ! Eh hey, mais, c'est quoi ce gobelin terne ? C'est qui Orlof ? C'est pas le nom d'une recette avec du veau ? Quand j'étais un ado, j'ai un peu peint les figurines. C'est un univers du Seigneur des Anneaux. Ok ! De voir avec Fréca, c'est un ami, ça donne envie. Oui ! Moi je trouve aussi que ça donne envie, ouais. Le steak Orlof, c'est pas veau Orlof ? Ouais, j'ai entendu ça une fois dans ma vie. Suivant. Demi-gobelin. C'est quoi cette boue ? C'est le maître d'armes du donjon, il commence. Alors, ce raid de représailles ? Affirmatif. Nous sommes arrivés au point de cible, le dénommé Temple de Wismal. Embuscade ennemie, combat, taux de perte de 100% pour nous. Rapport terminé. Les losers. Quoi ? Bande d'incapables. J'ai moi-même été blessé 6 fois. Nous étions attendus. Je suis chef de la garde, pas maraudeur. Cela demande une préparation opérationnelle spécifique. Clairement, ce n'est pas très rassurant quant à vos capacités. De quoi il se mêle, le résidu de salade verte ? Silence, vous deux ! Revax est le nouvel intendant. Quant à toi, Orlof, je vais peut-être changer de maître d'armes. À votre guise. Mais je me plaindrai à la guilde des mercenaires et gardiens de donjon. J'ai été employé en dehors de ma spécialité. Maudites soient les entrailles du grand Alifurne. J'en ai assez de ces revendications syndicales. Fichez le camp. Je crois qu'il vaut mieux essayer de collaborer. Dans notre intérêt réciproque. On va faire une salle d'entraînement ? Affirmatif. Pour l'instant, crevure de... Enfin, je veux dire... intendant. Dis-moi si vous je fasse le jeu. Ce raid raté explique pourquoi ce donjon est si mal gardé. On se croirait dans un... Pour rater l'aventure, il faut se débarrasser des traînes patins. Tout à fait.
La réduction des effectifs suite à la tentative d'incursion. Tout est doublé, hein. Wismal pénalise la rotation des unités. Il faut recruter de nouveaux gardes d'élite. Les gardes coûtent cher. J'ai lu dans Donjons et Despotes que les fonctions de support devaient être externalisées dans le cadre d'une gestion. Une gestion obnubilée des processus de l'entreprise. Optimiser, vous voulez dire. Silence ! Tu ne comprends rien au vocabulaire moderne de gestion des donjons. Quant à toi, améliore la garde. On doit pouvoir recruter quelques stagiaires. Affirmatif, il faudra nous en contenter. Je vais les... Ok, on va recruter des stagiaires et on va faire une salle de garde. Défendre le donjon des intrus. Placez-la à proximité de l'entrée. C'est où l'entrée? Mais c'est en dessous l'entrée. Là, mais après ils arrivent par où les machins? Je comprends pas par où ils viennent. Par là. Ah non, là. Ah oui, c'est ici. Qu'est-ce que c'est là alors? Ah, c'est l'entrée de service. Ah, c'est l'entrée de la taverne. Eh oui, du coup, d'accord. L'entrée de la taverne qui mène... Ok. Ok, regarde. Je fais. Salle des gardes. Ici. Ici, c'est bien. Ici, c'est super. Ah oui, la porte. Là ou là? Bah là. Pour le moment, j'en mets qu'une. C'est quoi ça? Permet aux gardes de se poster en salle en attendant une alerte. Ok. Et ça, c'est quoi? Un garde humain au début de la décade. Recrute et assigne automatiquement. Hein? Mais c'est un placard. Ah oui, c'est un casier. Regarde. J'ai une petite table ici aussi. C'est super. Il est trop pourri ma salle de garde. Elle est peut-être trop grande. Ah ouais, je l'ai fait trop grande, elle dépasse de ce côté-là, c'est trop pourri. Merde. Attends, je modifie. Merde, elle dépasse ici. Du coup, c'est trop moche. Merde. Du coup, là, il y a un tout petit recoin qui va servir totalement à rien. Je dirais pas où est l'entrée, mais je le pense fort. J'utilise que des termes techniques dans l'or, ils sont bien plus cons. Ah, on va dire que... Ils font un peu le mood de... Il essaye de se renseigner, Zangdar, sur la gestion des donjons, et du coup, oui, ça utilise des termes techniques. J'avoue que... Même les chefs de la garde et tout, ils sont tous normalement vraiment très stupides, voire ils parlent à peine la langue des humains, quoi. C'est une révolution architecturale, j'arrive même pas à le dire. Ah bah les carcans de la sociétaire! Voilà, j'ai fait un petit renfoncement ici, et alors? C'est le renfoncement des secrets. Chaque casier recrute automatiquement un ou plusieurs gardes. 4 gardes, c'est bien pour le moment. Qui vaquent à leurs occupations jusqu'à ce que l'alarme soit déclenchée. Ça recrute auto, c'est bien, chaque casier augmente la population du donjon. Oh, ça va. Le nombre de gardes présents dans le donjon est toujours affiché. Il y en a 4. Les premiers stagiaires sont arrivés. Ça va, 4. Garde à vous. On repart sur l'homme de base. Et je ne veux voir qu'une seule tête. Je suis curieux de voir comment il s'y prend pour les entraîner. Idéalement, il faudrait trouver un tas de terre et leur faire creuser un trou pour l'enterrer. Mais c'est absurde. Négatif, c'est l'entraînement par l'obéissance aveugle. Réfléchir, c'est déjà désobéir. Allez, en pas de course, la bleusaille. Merci beaucoup, Ranger du Chaos. Allez voir cette personne fantastique. Merci beaucoup pour le raid, Ranger du Chaos qui était sur LGW. Qu'on a connu comme ça. Merci beaucoup pour le raid, je découvre tout juste le jeu. Voilà. Et j'ai vu que t'étais dessus aussi, évidemment, ce qui ne m'étonne pas du tout, c'est mon évident. C'est pour les perdants. J'espère que ça te plaît en tout cas. Merci beaucoup, beaucoup. Bon, on va pas faire ça que de la soirée, on a prévu un autre truc après. Un concept. Il est sorti par la bite, celui-là. Merci beaucoup, petit bigot. Bonsoir, salut. Et merci pour le follow, c'est très gentil. Bon, attendez, il y a des méchants. Hostile. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas suivi. Suivre l'instruction. Alerte. Combat en cours. Ils sont où mes gardes? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ils sont pas du tout là! Ah si, c'est bon. Il y a incroyable des fesses.
Merci beaucoup. Comment vas-tu? Bon, ça va très bien. Beaucoup de petites découvertes en ce moment. Et c'est fort agréable. Oh, par contre, ils ont tout gagné. Mais oui, mais mes gardes, ils vont faire un petit déj pendant ce temps. Comment je fais pour sonner l'alerte? Allô, tu es là? Survivre à l'incursion. Mais les gardes, ils font quoi? J'en ai plein. Enfin, j'en ai plein, j'en ai deux autres. Et oh mec, fais des trucs. Comment je fais pour sonner l'alerte? Les gardes qui graillent, oui! Bah je sais pas. Moi je vais attendre qu'ils aient fini de faire leur petit tour hein. Tu m'as pas expliqué comment je suis censé sonner l'alerte et tout? Là j'ai des gardes, ils rentrent chez eux? Ils en ont rien à foutre? Ah oui, il y a zéro alerte en fait. Bah plaît-il, fais ton taf, please! Faut qu'ils aillent dans la salle des gardes pour que ça commence à s'agir, c'est incroyable quand même! Et il est tout seul! Et l'autre il fait rien! Mais lève-toi, je t'en supplie! Mais si, quelque chose. Si, t'as quelque chose à faire, je te garantis que si t'aidais ton pote, ce serait pas mal! Bon, je sais pas. Qu'est-ce que rouge? Ouais, je clique dessus, ça suit! Voilà, je peux juste faire ça! Ça c'est pour me dire qu'il y a des intrus, ça c'est pour me dire qu'il y a une bataille. Donc je clique hein. Oui. Bah oui, mais du coup ils attaquent un par un parce qu'ils sont trop cons pour survivre. Puis-je vous aider? Non, va te faire voir. Meurs. Vous déteste tous mes gardes. J'ai employé des poulets, c'est plus agressif. Expulsé du périmètre. Place net. Expulsé que dalle! Ils ont tué quasiment tous nos stagiaires avant qu'il y ait des nouveaux stagiaires qui arrivent. Ah, quand même! C'est un donjon ici, pas un squat pour jeunes désœuvrés fumeurs d'herbe à pipe. Franchement, je crois que je préfère eux à eux, hein. Dans la campagne, survivez à votre première incursion. Oh bah super, j'ai un succès, c'est nul. Mais c'est ça. Mais oui, non mais, il tapait son meilleur sandwich à la cantoche quand il se faisait attaquer là, c'est incroyable quand même. Oh là là. Révax, pourquoi les sbires s'agitent? Un serviteur est en grève, maître. Il proteste contre ses conditions de travail. Je peux envoyer la garde pour massacrer cette feignasse. Les civils se croient tout permis. Je ne suis pas certain que cela soit la meilleure approche pour conserver du personnel compétent. Les détails ne m'intéressent pas. Je ne veux plus entendre de bruit. Gère ce problème ou c'est toi qui seras fouetté. D'ailleurs, il y a un article dans Donjons et Despotes sur la torture psychologique des sbires du middle management. Alors, sélectionnez les sbires. Je les sélectionne. À chaque début de décade, des grèves peuvent éclater. D'accord, entraînant des conséquences potentiellement désastreuses. Vous travaillez avec son poulet de compagnie. Bon, oui, ça j'accepte, bien sûr. Vous travaillez 6 jours par décade. C'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? Vous avez une couverture dentaire. Vous avez 5 décades de congés par an. Quoi? Ça semble beaucoup, ça. Vous avez une augmentation. Vous avez la pause café. Vous avez la pause... Il veut la pause café! Le pouvoir boire sur son lieu de travail. Vive la pause café! C'est bien écrit. Les greffes sont le reflet d'agace. Oui, voilà, ils agacent dans le dard. Lorsque la jauge d'énergie d'un gréviste est vide. Il arrête de manifester. Si cela se produit, le moral du sbire est très fortement diminué. Licencié. Non, je veux pas licencier. Ne vous embêtez pas, ces revendications sont pour le moment irréalisables. Ah bon? Bon, ça non, ça me semble, ça va. Bon, bah je le licencie alors. Dehors le gréviste. Voilà qui fait un exemple. Enfin, je vais quand même essayer de faire en sorte que cela ne se reproduise pas.
Les employés français syndiqués, ouais. Mais ils sont traités comme des employés américains, dis donc. Zangdar, démission! Zangdar pétasse! Bon, bah dégage. Dégage, le gauchiste! Qu'est-ce que ça fait ici? Ça vomit? Ah ouais, ça gère. Qu'est-ce que... Oh, il s'est éclaté le bidel, hein. Oh, il s'est éclaté le bidel. Oh, vache. Bureau de Revax. Ah, faut que je fasse le bureau de Revax. Eh ben, je le fie. Je vais le faire à côté de Zangdar. Ce sera son copain de chambre. Le bureau de Revax, je vais faire au bout du couloir. Pareil grand. Ouais, ce sera grand, c'est pas grave. Là, il y aura d'autres trucs, là. Un petit bureau comme ça. Et une petite décoration. Oh, je peux mettre des décos. Oh, je vais mettre ça, un petit chandelier. Côté de l'entrée. Je vais mettre un séchoir. Non, pas dans un bureau, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mettre ça, je vais mettre du feu. Mets du feu. C'est bien ça. Je te mets bien, mon petit Revax. Oh bon. T'as du feu et du feu. En fait, j'ai rajouté des bougies. Je peux te déplacer? Bon, c'est pas grave. Mon copain de chambrée là, let's go, j'avoue. La pause café. Attention, déco, y'a pas royal pour former la thune. Merde. Je vais former la thune moi-même. Construire le bureau de Revax. Placer un bureau de ressources inhumaines. Ah oui, ressources humaines, d'accord, j'ai la rêve. Finalement, c'est un peu le reflet de notre. Du monde du travail, quoi. Les chiottes, elles ont un flot. Hein. On s'imagine bien mourir dedans. Consulter le profil de recrutement. Oui, il faut que je recrute, moi. Sa gauche, Y-cab. Oula. Attention. Attention à cette fin. On avait embauché dans un relais pour chevaux au nord du lac. De ce blouf. Il a dit aussi que les chevaux sont sympathiques et bons à manger. C'est un ronfleur. Bon, j'ai pas le choix, de toute façon. Il n'y a que lui qui veut travailler chez moi. Il se Zangdar le Revax, c'est vrai. Oui, ce Revax le Zangdar, je ne sais pas. C'est vrai. Ah oui, le feu, c'est pour cramer les revendications du personnel, c'est pas con ça. C'est pas con, rapide. Mais quoi, qu'est-ce qu'il a lui? Ah, mais c'est mon nouveau. Oh là là là, oh, il est en bon mood, lui, j'aime bien lui. Oh, il est à fond. Eh, comment? Il va au travail en courant, quoi. Très particulier, ronfleur. Il est malpropre et carnivore. Ou son orque, quoi. L'origine du sbire détermine les traits et comportements spéciaux. Par exemple, un orque, les orques sont carnivores, ce qui nécessite que vos cuisines produisent des repas à la de viande. Ah, d'accord. Bah, de toute façon, c'est lui qui fait la cuisine, donc il va produire ses propres repas. Hein. Oh. C'est qui ça? Un cuistot? Non, pas du tout. Je vais t'arduer. Eh. Hola, il paraît que vous cherchez un cuisinier. Ah. Bah non, du coup. Dégage. C'est... Oui, mais je viens justement de recruter un cuisinier orc. Pardi, j'étais cuisinier, barbier, aventurier, chirurgien, bourreau et embaumeur. Oh, mais vous connaissez la voix? Ça, je me connais. Émile Broncoul pour vous servir. Une bière de préférence. Et sinon, vous avez quelqu'un pour la taverne? Vous avez reconnu la voix ou pas? Je me suis pas renseigné sur le doublage, même si je me doutais un peu. On va voir. Perceval, oui! Je connais plus le nom de l'acteur, je suis désolée, du comédien. Trop rigolo. Émile Broncoul! Eh bien, en fait, pas du tout. C'est vrai qu'un bon patron de taverne, cela pourrait servir, mais... Je me paierai avec les recettes. Allez, vous ne le regretterez pas. Je vais en faire un rat de première bourre. Toute la terre de Fang viendra pochetronner ici. Le secret, c'est de bien saler la cuisine. Reçu, fort et clair.
Mouvement en direction du bar. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? On te parle pas, toi. Vos sbires mangent à la taverne, ce qui réduit votre nombre de clients maximum. Une cantine permet aux sbires de manger dans leur propre salle et de ne pas faire fuir la clientèle. Oui, c'est ce que je veux, moi. Je veux la cantine. Je la fous où? Mais le problème, c'est que là, c'est... Dans la cantine, il y aura leur propre cuisine. C'est pas cette cuisine-là qui va cuisiner pour la cantine. Ce serait n'importe quoi. Cantine. Petite cantoche, là. On va la faire grande, non? Ça me fait rire de dire ça. Mais le truc, c'est que la cantine... Je sais pas si ça cuisine dedans. Je vais pas la faire trop grande pour le moment. Une petite cantoche. Je peux faire même une porte là, mais bon, non. Pas pour le moment. Chut. Si je mettais une déco, un petit banc. Pas mal le petit banc. Oh, il est sympa. Il est sympa ce petit banc. Et un petit ça. Ah, l'animal, ça, ce machin, quoi. Super. Elle est bien, ma cantoche. Franchement, j'ai vraiment mangé dans des endroits bien pires pendant mes tafs. C'était toujours pire, en fait. Je me rends compte. Elle est déjà sale, hein. Il y a déjà des bouts de bidoche par terre. Ok. Ça construit la cantoche. Bon, cassez-vous d'ici. Oh punaise, ça attend pour manger, eh. Oh là là, comment il se marave. Non, mais il vient de mettre une toriole au barman et après il se casse... Il court boire. Qu'est-ce que c'est que ce gérant de taverne? Elle est dans l'ambiance d'un donjon, remarque. Je pense que je pourrais mettre plus de tables. Ouais, je pense. Ouais. Et je pourrais mettre le bar peut-être plutôt ici. Timothée Chalamet. Tout à fait. Quoi? Maître, nous avons considérablement amélioré les conditions de vie des... Grave. En plus, on sert du bon, du gros qui tâche, de la bière qui tape et de la saucisse qui donne soif. Quoi? Mais quel est cet énergumène? C'est... Émile. Le patron de la taverne. Je vous expliquerai. Je commence à perdre patience. On dépense trop pour des fadaises ici. Et notre réputation ne s'améliore pas. Bah non, mais bon, en même temps, je sais même pas comment donner l'alerte dans ce putain de donjon. En vrai, j'ai envie de jouer au jeu. Ah, ça marche alors. Influenceuse. Pour le moment, j'aime bien. Dites, sans vouloir trop la ramener, vous trouvez pas qu'il refoule un peu votre donjon? Oui. L'odeur de rat crevé. Alors j'ai vu que je pouvais faire en sorte de garder les salles propres, ce que je n'ai pas fait, parce que j'ai de toute façon pas de personnel. Quoi? Pour nettoyer. Et pas du tout, nous avons nettoyé le bric-à-brac et viré les traînes patins. Je dis pas, mais ce matin j'ai croisé un cafard qui vomissait, tellement c'est dégueu. Attention, hein, je lave pas les chopes tous les jours, et je prends pas plus d'un bain par mois, mais bon, il y a des limites à la crasse quand même. J'ai trouvé un cafard qui vomissait tellement c'était dégueu. J'aime trop. C'est vrai que pour attirer des clients ou serviteurs de qualité, il faut augmenter le standing. Nettoyer, améliorer les sanitaires et recruter de bons domestiques. Voilà, c'est ça. Ce qu'il vous faut, c'est des elfes. Alors bon, c'est des bouffeurs de laitue et ils pètent plus haut que leur derche. Mais niveau propreté, ça brille comme un miroir. Non mais depuis quand les elfes, ils nettoient chez les gens des donjons? Salut Xela. Xela Garland, merci beaucoup pour le follow, bienvenue. Recruter un domestique elfe, ok. Vous remarque, oui. C'est où? Oh, j'ai des nouveaux trucs pour la salle de garde. Oh, j'ai un nouveau meuble. Assigne automatiquement jusqu'à un garde orc. Oh. Nouvelle décade. Ah, oh, ça coûte 10 sous. Je gagne des sous, moi? C'est de leur dispo, mais est-ce que j'en gagne? Attendez. Et là, j'ai ça, là. Ah, d'accord. C'est les événements. Ok, je recrute. Et salle d'eau, je peux rajouter. Réservée aux peaux vertes. Gobelin. Permet à un sbire de se salir en utilisant des douches. Hein? Ouais, cette salle de bain qui permet aux gens de se salir. La vision d'hygiène des peaux vertes concorde avec celle des cochons. La boue provenant des souterrains du donjon visqueuse. Sentant la vieille terre pour s'y baigner. D'accord, ok.
Ah, ça après. Je vais embaucher. Recrutement. C'est un nom d'elle, ça. En Auriel, Riolo Garion. Et t'as rien, précieux insouciant. Bien qu'originaire du peuple éphique, je souhaite pouvoir servir dans un donjon maléfique. Je ne supporte plus les bonnes manières. Gentillesse et les actes héroïques. Les informations sur les origines se trouvent ici. Ouais, non, mais c'est nickel comme origine pour quelqu'un qui nettoie. Consulter. Ok. Là, du coup, je vais faire ça. Attends. Génère de la saleté. Ce bouton permet d'indiquer au domestique si la salle doit être nettoyée. Bah ça va en vrai. Je la nettoie, mais ça va. Attends, je rajoute ça. Oh, je peux faire ça. Une petite douche. Petite douche. Je rajoute... C'est quoi ce... Il y a de la musique là. Je rajoute des petites douches et je rajoute ça. Let's go. Bonsoir. Salut à toi. Les cafards vomissent quand ils sont contents. Je ne suis pas sûr. Jolie musique. Oh, il est pas content. Puis-je faire quelque chose ? Je m'ennuie. Bah va picoler. T'as tout à dispo là. Oh, mais quel est cet objet dans la douche ? Un robinet ? Ouais, j'ai fait ça. Fascinant. T'as vu ? Eh. Ah, ils peuvent être tout propres, ils sont contents. Vos armures vont avoir une sale gueule après, par contre. Ok. Bon, la musique est un peu... J'ai vraiment l'impression qu'on joue dans mes oreilles. Alors, je vais baisser un peu. Voilà. Recruter un cuisinier elfe. Ah, faut recruter un cuisinier elfe pour avoir de la bouffe végé. Passe-bille. Ils me coûtent tous zéro. Kevinonienne arandienne. J'aime le travail bien fait, la soupe de légumes et les petites salades. Très bien. Et ben parfait. Voilà. Placer un garde-manger dans la cuisine. Cette cuisine-là, j'en ai déjà un. Ah, il en faut plusieurs. Mais du coup, pour ma cantoche, il n'y a pas de cuisine. C'est juste un endroit où les gens prennent des sandwichs. C'est depuis qu'il a recruté l'elfe qu'il y a de la musique douce. Attends. Ah, mais là, il y a une porte, là. Attends. Et là, il y a une porte, ouais. Royal sera un cuisinier mi-elfe, mi-orc. Exactement. Ah, sommeil de qualité. Non, ils sont bien, là. En plus, j'ai un petit jardin, s'ils veulent faire de... des trucs d'humains qui... ou je sais pas, en allant à l'extérieur et en jouant au dos. Placer une cuisinière dans la cuisine. Là ? Cette cuisine ou... Non, c'est... Oui, c'est la... Hein ? Ah, il faut une autre cuisinière. Ah oui, il en faut deux. Mais elle est petite, hein ? Attends, j'y travaille. Deux secondes. Ok. Oh, lui, il est content. C'est Zanktar. C'est au fouet que vous parlerez. Mais d'où tu manges à la cantoche, Zanktar? J'y crois zéro, hein. Zanktar, il mange à la cantoche. Oh, Zanktar, il a pas d'amis. Zanktar, il mange sur une table, il est solo. Alors qu'il y a une super chambre très mal foutue, d'ailleurs. Revax. Le temple de Wismal a fait installer des colonnes de marbre. Je viens de voir les gravures dans le magazine Donjons et Destins. Misère. Encore ces publications à la noix. La décoration de mon donjon ne doit pas être négligée. La productivité, maître. Vous disiez que nous n'avions pas d'argent. Occupe-toi d'améliorer les choses, ou tu finiras en pot de fleurs. Et cesse de contredire mes orientations managériales. Ok. Faut que je place des décos, mais je l'avais déjà fait. Parce que je sais à quel point c'est important. Oh! Y'a que ça en déco? Oh non, mais y'a tout ça! Oh ouais! Oh, décoration du statut!
un mur. Je vais en mettre à l'entrée, ça. Ou des picots. Ou alors je mets des picots. C'est quoi ça? Oh, c'est des tapis. Des colonnes simples. Hop là, deux colonnes à l'entrée. Ça, c'est bien. Ça, c'est super, ça. En vrai, là, je fais ça, mais y a pas besoin. Hein. Une jarre. Voilà. Je place des décos. Ah, je suis fort aise d'avoir fait des choix en matière de décoration. Je vais écrire à l'association des propriétaires de donjons de Fang pour leur faire la démonstration de mon génie créatif. J'espère que cela ne nous attirera pas d'ennui. Citer l'allocation habituelle des situations désastreuses. Oh, j'ai la ref. On l'a tous. Merde. J'espère que cela ne nous attirera pas d'ennui. Attention, encore une cinématique. Oh, il y a un bouquin à la main. Bibliothèque, archiviste, ou mage. Je cherche le maître du donjon de Nalbeck. Bonjour. C'est-à-dire que je suis son attendant. Je viens au sujet d'un courrier envoyé par lui à l'association des propriétaires de donjons de Fang. Vous allez publier sa lettre sur les décorations intérieures? Je ne sais pas. Cela regarde la rédaction de la gazette de la PDF. Ah. Je suis Josiane Mortadelle, contrôleuse principale de la Caisse des Donjons. Je suis ici pour votre demande d'affiliation. Quoi? La CDD? Mais nous n'avons pas demandé d'affiliation. Votre maître a écrit à la PDF. D'après les stipulations du règlement de la PDF, qui est sous notre tutelle, tout courrier vos demandes d'adhésion à la Caisse des Donjons. Mais c'est... malédiction putride. C'est complètement absurde. Et si nous refusons d'adhérer? C'est votre droit. Conformément au règlement de la CDD, validé par la jurisprudence de la totalité des tribunaux de la Terre de Fang, je vais vous demander 200 000 pièces d'or en dédommagement. What? 200 quoi? Le plus simple est donc d'adhérer à la CDD, comme la plupart des donjons sérieux. Je vais de ce pas faire signer les documents à votre maître. Pour un petit donjon comme le vôtre, cela ne représente que 412 parchemins. Misère et rat mutant. Revox! Dans mon bureau, immédiatement! Mais c'est lui, là! C'est... On dirait un vieux sénile dans son bureau qui passe son temps à accepter des demandes de prince nigérian, là! Un truc de fou! On a trouvé le tome nook du jeu, mais ouais! Organisme qui supervise l'activité de la plupart des donjons maléfiques. En fait, c'est... Salut, Nadgeo! Ça, j'en reste plus longtemps. Ah! C'est Michael Scott, en fait. Chauset, mais fail moi de l'op, mon niveau merde. Ouais, non, le respect des normes, soumission, machin. L'objectif final de la CDD est à chaque génération un nombre adéquat d'aventuriers. Attends, mais what? Non, mais ils sont fous. Faut accepter, cocher la case vaut l'acceptation de l'ensemble des clauses. Donnant tout pouvoir au maître de votre misérable existence, bien sûr que vous acceptez. Oui, oui, en rouge. Félicitations pour votre adhésion à la Caisse des Donjons. Je vais vous faire part de mes premiers constats nécessitant une action immédiate de votre part. Par les tentacules... J'ai pas eu la foi de tout lire, il y avait sûrement plein de trucs rigolos, mais là, c'était immense. De la sorte. J'ai déjà mal à la tête. Revax, occupe-toi de ça. Mais c'est toi, là, qui a fait le bordel, là. Je note une absence de lieu dédié à l'interruption momentanée de... Michael Sandark Scott. ...assumant les fonctions ancillaires du donjon. Cela nuit à leur performance et dégrade la rentabilité des sources de revenus secondaires. Et vous... Bon sang, mes cours d'hermétique administratif sont déjà loin. Vous demandez une salle de pause pour les sbires. C'est un peu résumé à gros traits. Mais cela pourrait être un début de plan d'action, en effet. Ok, la jauge de morale des sbires est affectée. La propreté des salles, manger à sa fin, se divertir. Oui, j'ai vu, il y en avait qui avaient besoin de s'amuser. On peut mettre une salle ici. Et mettre une porte ici. Bon, c'est un peu loin de leur dortoir, mais bon. Mais bon, que puis-je, hein, que puis-je.
Ok. Let's go construire, ça j'aime bien ça. Salle de pause. Petite porte ici et petite porte ici. Non, petite porte ici plutôt. Celle-là, attends, je vais l'enlever celle-là. Bah non en fait. Non, je vais enlever celle-là. Je vais virer celle-là. Voilà, vire ça. Alors, table. On va mettre une et deux. Ah, j'ai beaucoup de portes. Jeu de hasard. Ça va, ça prend pas de place, c'est bien. Pupitre de lecture. Et un autre. Ah bah j'ai plus tout. Je vais en mettre d'autres. Je vais en mettre un autre. Objet unique. Ah d'accord. Ah attends, faut décorer parce que s'ils aiment pas leur salle, et ben ils seront pas contents. Voilà, à côté du pupitre. Hein. Qu'est-ce que je peux mettre? Attendez, je regarde. Ah, on va mettre des posters. Petit poster là. Voilà. C'est un peu grand ça. C'est plus raisonnable. Ok. Elle est superbe cette salle de pause. Attends, je peux rajouter des trucs ici. Alors, je vais rajouter des trucs ici. Hein, pendant ce temps. Je peux rajouter... Voilà, on va prendre un garde elf. Ou deux. Un. Et je peux avoir un casier orc. Donc je vais mettre un casier orc. Et ça c'est quoi? Garde gobelin. Bogo garde gobelin. Ils seront pas pires que mes gardes que j'ai eu actuellement. Si, mais c'est une petite fontaine dans la salle des gardes. Non, c'est pourri. Un coffre! Ça c'est un truc de garde, ça, un coffre. Bien ça. C'est bien ça. J'avais. Et je vais mettre une torche. Ou des torches même. Voilà. Je vais remettre une porte par là. Ce que je vais faire tout de suite. Ils sont peut-être un peu plus réactifs si je mets une porte ici. Parfait. Avec une table de jeu, les sbires pourront se distraire. Oui, une table de jeu, des tables de trucs. Ils arrêteront d'user les bons de la taverne. Poste air, ventilateur de la poste. Une animasse numéro 1 de Monstres et Compagnie. Ah oui, j'ai la ref. Et la bonne fée de Shrek. Ah, la bonne fée. Mince, la bonne fée dans Shrek. Une salle de repos pour les sbires du donjon. Parfait, différent. Niveau management, elle est peut-être super, hein. C'est niveau bonne fée qu'elle est moins super. Nous sommes censés être un donjon maléfique, pas un club de détente pour feignasses. Et puis quoi encore? Un temple de Glul avec salle de sieste géante? Ah, j'ai toujours cru que c'était Glul. Non, c'est Glul. Le dieu du sommeil et de l'ennui. Intéressant. Je vais continuer d'évaluer les performances des sous-fonctions procédurales de votre organisation. Misère. Oh, la CPE de l'enfer. Bonjour à tous nos employés. Vous écoutez Radio Donjon, la radio des sbires qui travaille pour la gloire du maître. Je suis Revax, intendant, et je passerai très bientôt pour vous surveiller. Je vous laisse en compagnie de notre animateur. Oh, la salle est si dégueu, je crois. Attendez, faut que je maintienne les salles propres, je crois. Oh, ah ouais, c'est tout dégueu. C'est super. L'ambiance entrepôt d'Amazon, le fun en plus. Hé, hey, pendant que la scribouillarde a le nez dans la paperasse, on ferait pas monter en gamme la taverne? Ouais. Si on traîne, les lubies de la CDD vont vite nous pomper toute notre oseille. C'est vrai que la mise en conformité des donjons est très coûteuse. Il manque quoi pour que la taverne nous rapporte un peu plus? Déjà, marre de trimballer des boutanches.
Il nous faut de quoi mettre des tonneaux en perce, et puis quelqu'un pour servir la bière et le pinard. Ce qui rapporte, pas de secret, c'est la biture. Parfait. Occupons-nous de ça pendant que le maître n'est pas très attentif. Ouais. Je vais agrandir la taverne. Porte-monnaie aussi. On va se bourrer d'artiches en saoulant toute la contrée. Tous ces trucs de sobriété et de modération, c'est bon pour les bigots et les elfes. On va Ah, il y avait TripAdvisor. J'ai passé un peu vite, mais il y avait une ref à TripAdvisor. Ok, attendez, je vais mettre pause. Ah, attends, le prestige à taverne est représenté par des saucissons. TripAdvisor. Un facteur important de l'influence des clients. Punaise, on se fait noter. Après. La fréquentation de la taverne dépend de son prestige et des boissons proposées. Chaque groupe de clients a ses propres préférences de consommation. Ils ne viendront que si vous êtes en mesure de les satisfaire. Donc il faut attirer plusieurs types de clients avec plusieurs types de boissons. Attendez, je fais pause si je peux. Oh, je peux pas. Bon bah je fais pas pause. Ce menu liste les revenus et les dépenses du donjon. Les revenus de la taverne sont aussi présents. Pratique pour vérifier la rentabilité. Ah oui, d'accord. Là, il est moins de sous, là. Revenu de la taverne, plus 60. Ok. C'est super. Bon, très bien. Attends. Je vais la modifier. Déjà, je l'agrandirai bien là, jusque là. Ça saoule. Je peux ou pas? Ajouter des murs, tout à fait. Je voulais déplacer un truc. Bon. Ok, je vais mettre ça là. Comme ça, je pourrais ajouter des tables. Ensuite, on va ajouter des tonneaux. Et ça, c'est quoi? Self à viande. Oh, stylé. En vrai, trop stylé. Je vais le foutre là, vu que j'ai besoin de place. Et là aussi, je pense que je vais agrandir par là. Je pourrais mettre des trucs sur les bords ici. Genre des tonneaux. Comme ça, en plus, ça fait une petite ambiance quand tu rentres. Donc j'ai mis self à viande, il faudrait self à légumes pour attirer des elfes. Les elfes, ils ont de la moula. Ah, je peux mettre des tables rondes. Table de jeu. Oh, ouais, table de jeu. Je peux peut-être déplacer les tables. Dans une mesure. J'ai rien changé, là. J'ai rien changé d'utile. Attendez, si je fais ça. Ah. Attends. Attends. Ah ouais, non, on peut pas du tout. Bon. Eh ben, je vais mettre la petite table de jeu ici pour le moment. Ce sera un peu serré, mais ça passe. Ça passe. Je vais mettre de la déco. Ils sont contents, les gens. On va mettre un petit chandelier. J'aime bien le chandelier, moi. Ah, mais je peux mettre ici un truc. Ouais, pas trop. Petit chandelier. Ça. Une super déco. Et des trucs au mur, des posters. Des annonces. Hop là. C'est pas un mur ça? Voilà. Une torche ici. Ah, des torches sur les techos. C'est pas mis au même endroit. C'est super. Là, c'est super. On se retrouve sur la couette comme d'hab, ça marche Valo, bon lurk et bon dodo. Est-ce qu'elle est maintenue au propre la taverne? Oui, ça va. Placer un baril pour attirer les clients. Bah, j'ai placé les trucs à la viande et j'ai placé des décos pour rendre l'endroit un peu plus attractif. Je pense que ça joue aussi sur la fréquentation. Le problème c'est qu'en fait elle commence à être petite et il y a ces vieux piliers chiants là. Et même la cuisine aussi elle est petite. Et la cuisine je peux pas du tout l'agrandir sauf un chouï ici. Premier tonneau en perse. Trop bien. Bon, c'est encore de la petite bière du coin.
mais on va se rencarder sur de meilleures provenances. Ah voilà, ouais. Merci Nico. C'est vrai qu'elle a un peu à goût de pied. Hey, joli. J'aime bien l'ambiance de la taverne avec ses murs un petit peu... une sorte de... de tissu, puis le bois. Je sais pas, j'aime bien. C'est mignon. Bon, par contre, les gens sont beaucoup debout, alors qu'il y a beaucoup de tables de vide. Faites un effort, j'ai mis plein de tables. Ils sont debout pour vomir. Bref. Non, j'ai entendu un vieux bruit de paix quand je me suis approchée. Oh, c'est Zonda, il fait caca! On a entendu un pet Zandar! Voilà, un peu que ça tourne. Les poivrons affluent et on a diversifié la clientèle. On est un établissement inclusif, comme on dit. C'est bien ça. Un pour tous, tous bourrés! Parfait. Et on n'a pas été repérés par le maître. On améliore l'ordinaire sans en parler à la garde? Zed cuit, mes gaillards. Le rapport est en chemin. À moins que. On peut s'arranger. On peut discuter, discrètement. Bref, à limite, s'il y a besoin, je pourrais faire un bout de cuisine ici. Déplacer la porte là, bout de cuisine là. Ouais, c'est ce que je ferais. J'ai identifié une nouvelle non-conformité dans un sous-processus primaire de votre donjon, qui empêche d'envisager son ouverture à l'exploration. Votre organisation souffre d'un sous-investissement chronique dans les capacités d'outillage et autres équipements d'artisanat. Revax, bouge-toi et règle ce problème. Bien, maître. Qu'est-ce qu'il nous faut, un atelier? Ok. Moi, je pense qu'il nous faudrait une salle d'entraînement. La salle des gardes, je l'ai fait beaucoup trop grande, en fait. Mais je me rendais pas compte, je pensais que ça allait aussi être une salle un peu d'entraînement ou une salle de dodo pour les gardes, je savais pas. Je l'ai fait, elle est vraiment immense et ça sert à rien. Je vais réduire des murs, ça m'énerve. Ce sera déjà ça se fait. Voilà. Si je dois faire un petit bout de pièce quelque part, je pourrais faire un petit truc ici. C'est comme de la maturité. Exactement! La cantine! Permet aux sbires de se nourrir. Qu'est-ce que je peux rajouter à la cantoche? Parce que je trouve qu'elle est pas très fréquentée. Ah, des grandes tablées. Attendez, je vais le faire. Je vais faire tout de suite, d'abord. Modifier la salle. Ça, pour le moment... Mais ça, je veux jeter. Voilà. Zangdar, arrête de bouffer. Tu passes vraiment ton temps à bouffer, toi, Zangdar, hein. Voilà. Ouais. Attends. Ça, je déplace. Ça aussi. Là, là, comme ça. Et là, le buffet. Ah, c'est le pot qui gêne. Pas grave. Hein? Ah, mais non, je l'ai mis dans le mauvais sens parce que je suis bête. Je vais mettre le pot au milieu. C'est super. C'est super. Voilà. Petit festin. Atelier. Mais ça où? À côté du bureau de Revax? Non. Oh, ici aussi. Hein. Mais atelier, ouais, je sais pas. Ici, c'est près des sorties. Ça se trouve, ce sera nécessaire d'avoir des trucs près des sorties. Ah. Ah. L'atelier. La tite, l'atelier. Ici. Allez, ici. Je sais pas la place nécessaire. On fait un peu au pif là. Ça va. On a pas besoin, y a pas besoin de grand chose en fait. Pas besoin de faire un truc immense. Je vais supprimer des murs. Attends. Je vais refaire les murs. Comment je fais? Les deux salles ne sont pas reliées. Non mais deux secondes, tu veux enlever ça? Tu peux pas? Je peux pas l'enlever avant que ce soit construit? Ça m'arrangerait. Je veux refaire la pièce.
Alors je fais comme ça? Bon bah je sais pas, tant pis. Mettre un petit chandelier. Et un petit banc. Et quelle heure? Ok, on va pas tarder. On passe à la suite. Et je vais maintenir propre. Même si on s'en fout un peu. J'ai pas réussi, ça saoule. J'ai raté. Ah, c'est Xandar, il a fait caca. La réputation a augmenté d'un niveau. C'est jamais que rien. Nice, trop bien. Tu refasses un stream sur ce jeu, ça vous plaît? Oh, c'est cool, ça vous plaît. J'aime bien aussi. Construire un atelier, du coup, placer deux établis. Merde, j'ai placé qu'un seul établi. J'ai fait ma radine. Attends, tac. Cours de construction. Je peux pas ajouter des trucs dedans dans les cours de construction? Bon bah j'attends. Ouais Max, pourquoi des coups de marteau résonnent dans mon donjon? C'est que, maître, nous avons créé un atelier suite à vos ordres. Brrr. On bosse! Pas moyen de faire merde! Des recherches tranquilles. Mais tu fais rien des recherches! Tu visites LinkedIn là! Cela sera utile pour faire aboutir mes plans grandioses. Est-ce qu'on peut mettre dans un atelier de logique en déco? Petite plante. Moi je trouve que c'est logique. Voilà, c'est super. Et on a ce petit bout de mur bien inutile, mais j'ai pas réussi à enlever. Oh, les petits panneaux comme ça, petits panneaux à LED là. Recruter deux artisans gobelins. C'est où le recrutement? C'est pas là. Si, c'était là. Comment je sais quels sont les artisans? Ça, c'est un artisan ça. Oh, il coûte cher. Oxilou ou Bernasse, il m'en faudra un deuxième. Il est à zéro en plus. Je recrute un deuxième sbire pour le ménage, vu qu'il est gratuit. Et il est mal propre, c'est un artisan gobelin. Bon bah j'en recrute. Oh! Artisan gobelin... gratuit. Je recrute. Nos aventuriers victorieux, nanana nanana. J'ai entendu le générique qui m'y a fait penser. Procédez à l'audit qualitatif de cette structure de soutien technique et vous communiquez... Oh vache! Je sais pas quoi il tourne à la caisse, mais c'est du costaud. À l'alcool de prune, peut-être. Quoi? Je suis navrée, mais la caisse considère que votre réputation est insuffisante pour ouvrir votre donjon à l'exploration. Mais... Comment voulez-vous qu'on améliore notre réputation si on ne peut pas ouvrir le donjon? Vous pouvez payer une compensation de quelques milliers de pièces d'or à la caisse, ce qui augmentera du même coup votre réputation. Mais c'est de l'extorsion caractérisée. Mais oui. La réputation est liée à la salle du donjon. Sélectionnez une cuisine par exemple. Je sélectionne une cuisine par exemple. D'accord. Je sélectionne la cuisine par exemple. Merci. Représenté par des étoiles. Il y a une étoile. Un de vos cuisiniers. Attends, cours pas. Oh, attends, pause. Je peux pas mettre pause. Merde. Chaque sbire a des attentes par rapport à son lieu de travail. La réputation du donjon augmente si les attentes des sbires sont comblées. Putain. Du coup, nous disâmes. Les sbires génèrent de la réputation s'ils travaillent dans une salle répondant à leurs attentes. Qu'est-ce qu'ils veulent? Comment je sais les attentes en fait? Je vois pas. Attente aucune, voilà. Ok, voilà. Attente aucune. Quoi? Attente aucune. On va chercher, hein. Par les nattes de Petit Panny. Bientôt la paye. Bourriné, solution à tout. Solution à tout. Oui, c'est qui? C'est moi! Attends une étoile. Ok. Ah oui, elle attend une salle, une étoile. Et elle bosse dans quoi? C'est une domestique. Bah ouais, mais du coup. Euh...
Attends, niveau de réputation, notre le prestige d'une salle augmente si elle est bien décorée. Bon, on va décorer, hein, je compris, on va tout décorer, je m'en fous. En fond, des posters et des plantes vertes. Et des petits chandeliers. Je vais mettre des pots. Non, ça prend trop de place. Ça va bien, Rec? Noctis? Quoi de neuf? Ah ouais, des petits trucs comme ça, je trouve ça logique dans une cuisine. Une cuisine? Ah bah voilà, un petit plat de bouffe. Oh, la musique me stresse. J'ai l'impression qu'il va se passer un truc dangereux. Voilà. Ici, c'est une 2 étoiles. Ça, c'est une cantine. 1 étoile. Dortoir, il est pourri. Je vais faire un meilleur dortoir. Dortoir, il est ripou, mais bon... Je savais même pas que je pouvais décorer à ce moment-là. Si, mettez une petite fontaine. Toute petite, en plus. Ça tombe super bien. Plus je peux pas la mettre au centre, c'est parfait. Hop là, la petite fontaine de dortoir là. Franchement, elle est au même prix que ce pot. Par contre, oui, je mettrais bien un truc comme ça pour faire genre ils étendent leur linge. Oh, pour faire genre il y a de l'intimité sinon. Ce luxe. Ce luxe inutile en plus, ils en ont rien à péter, au contraire, ça va les empêcher de dormir. Il y a assez de lits au moins. Me dites, hein. Ça m'énerve dans un éronflement. Oh, tapis! Le petit tapis, là, les petits tapoches. Punaise, mais je peux jamais mettre un truc au centre! Ah, voilà. Voilà, ça c'est bien. Soul, je mets des cales. Et une plante. Enfin, un pot de fleurs. Un pot de fleurs, il est où? Pot de fleurs de l'entrée. Hop là! Eh, là c'est super là. Les chiottes, elles sont pas très prestigieuses. Presque. Attendez, on va rajouter un peu. On va rajouter un peu de prestige. En mettant un chandelier. Un peu d'intimité. Oh, je peux pas. Voilà, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée, c'est tellement RP. Oh, voilà, des petits trucs qui sèchent. C'est RP aussi. Autre petit truc qui sèche ici. Une petite torche. C'est bien là. C'est super. Là. Ouais, ouais, va falloir que j'arrête bientôt, effectivement, pour pas oublier Gail. Mais oui, je pense que je vais refaire du donjon de Nullbuck. J'ai l'impression d'avoir exploré que un tout petit peu du jeu là. Mais je vais pas, oui. J'ai mis 23h30, on avait dit 23h30. Enfin non, on a rien dit en fait. J'ai dit deuxième partie de soirée, mais on a rien dit du tout. Du coup, j'ai pas reçu de message. Voilà, au moins. Donc ça va. Et oui, le react. Pas de souce. Attendez, dans la salle des gardes, je vais mettre des armures. On est d'accord. Je pense qu'il y a rien de plus logique. Voilà, ça j'augmente un peu le prestige. Ah mais pas beaucoup hein, mais ça coûte pas très cher en fait. Un petit tapis. Tapis ici. Un autre là. Pour les petons. Ok. Ici l'atelier il est pas dingue. Il est même pas à 1 étoile. Je vais améliorer un peu. Mais je veux supprimer un bout de mur là déjà, ça me saoule. Voilà, ça je vire. Et ensuite, je vais rajouter de la déco. Oui, je suis pas obligée de cliquer sur la pièce pour rajouter de la déco. Un petit coffre, c'est RP. Des petits pots. Parce que por qué no? Voilà. Ah oui, et puis un truc voilà comme ça là, ça c'est bien. De toute façon, faut accrocher les trucs au mur pour que ça aille bien. Elle a 2 étoiles ou elle a 2 étoiles? La cantoche, elle est pas très décorée.
Mettre des trucs au mur, hein. C'est le plus simple. Voilà. Non, j'ai mis deux fois le même, c'est chiant. Et là, elle est presque à deux étoiles, on va essayer de lui faire atteindre une deuxième étoile. En fait, faudrait que tout soit trois étoiles, je crois. Non, pas ça. Youpi Youfou ! Là, elle est bien le jeu ? Eh ben oui, j'aime bien. On est sur un peu, ouais, une gestion à la Two Point Hospital. Franchement, pour faire un petit parallèle. Mais avec l'humour de Nullbug qu'on connaît. Et avec la gestion du bien-être qui... qui a l'air d'être assez proche, en fait, du bien-être des sbires et tout ça. Donc oui, pour le moment, eh ben, je trouve assez agréable. Attendez, le petit banc, je vais le virer. Le petit banc, je vais mettre ici. Deux étoiles, voilà. Le dortoir, il est pourri. Faut vraiment que j'améliore, mais j'ai mis une énorme fontaine, ils s'en foutent. Je vais mettre d'autres trucs, hein. La fontaine, elle prend trop de place, en vrai, ça m'arrange pas. À vendre. Au pire, on en refera peut-être après le react, tiens. C'est possible. Je ne promets rien, je n'en sais rien, je n'ai rien prévu. Je sais pas si je continuerai à stream après le react ou pas, selon l'heure à laquelle on arrête. Voilà, des petits bancs. Hop. Je vais pas trop mettre de trucs près des murs parce que je voudrais y mettre des trucs. Et ça c'est... Oh, RP de fou, hein. Mais je crois qu'il y a le principe de plus je mets un même objet, moins il rapporte de... Je pense de trucs. Donc je vais pas en mettre trop en fait et je vais plutôt essayer de mettre des objets différents. Je pense qu'il y a un principe comme ça. Moi je suis qu'à une étoile alors que j'ai rajouté des bancs. Alors que là par exemple je mets un étendoir. Mettons. Pour l'intimidade. Bon ça rajoute rien. Bon j'en sais rien en fait. Ah il a parlé de Gotaga. Ah, ah. Le dortoir il me coûte cher. Hein. Pour le rendre attractif, je vais foutre plein de trucs au mur, moi. Ah ouais, le truc de feu. C'est bien ça pour réchauffer. Ah, c'est beau en plus. C'est bien. Ça fait un swag de fou. Attendez, je vais mettre des trucs au mur. Comme d'hab. Toujours foutre du bordel au mur. C'est... une bonne chose. C'est facile, ça prend pas de place. Et ça améliore en général. Ça améliore le bien-être pas trop mal. En général. Voilà. Voilà, là le dortoir il est yimbe. Ouais, l'ASMR ronflement. Ouais, ça me... Voilà, je sais pas ce que je préfère non plus, hein, j'avoue. Oh, garde gobelin. Ah mais non, j'ai déjà. Mettre des trucs au mur encore. Mince, ça vole, j'aime pas. Oui, ça vole totalement. Non, non, je peux pas faire ça. On est presque à 2 étoiles, donc je suis à 3 étoiles, mais ça me fait dépenser tellement de thunes en vrai. Oh là là. Ah, qu'est-ce qui se passe ?
Au secours, je pue l'elfe. Bah va te laver. On a une salle de bain performante. Ah, il y a peut-être pas assez de douche. Oh, ça va, il attend. Il y a pas assez de douche peut-être. J'avais pas dit que c'était Nalbuck quand t'en as parlé l'autre fois. Pourtant, j'ai dû le dire. Mais oui, du coup, c'est ça, c'est gestion de donjon à la Dungeon Keeper et à la Two Point Hospital. Parce que je crois qu'il va y avoir aussi la gestion après des aventuriers qui vont venir casser la figure. Je vais remettre une porte ici. Voilà. Je pense que ça permettra d'éviter qu'il fasse trop d'aller-retour et de trucs comme ça. Bref, ce sera mieux. Je pense. Attendez, chez Zangdar, c'est tout pourri, je crois. Et quelle heure? Ouais, je vais arrêter. Chez Zangdar, c'est tout pourri, je crois. Je vais remettre un peu de déco. Ah ouais, c'est tout ripour. Oh là là, mais Zangdar, le pégu, quoi. Mon chandelier, je le vois pas. Un truc de flamme. Et un petit vent pour se réchauffer face aux flammes. C'est vraiment pourri chez lui, hein. Oh, un tapis. Il est toujours pas à deux étoiles, mais franchement, quoi. Tout pourri, son bureau. Là, je mets des picots. Qui servent à rien. Et dernier truc. Ceci. On va dire que c'est bien. Ça me coûte trop de sous, ça, hein. Avoir un prestige de 3 étoiles, c'est super cher. Bon. En tout cas, on va en profiter pour arrêter. Mais j'avais pas viré ce mur en trop. Ah si, mais je l'en avais pas viré assez. Je crois. Hop là, petite sauvegarde. Oh, il y a plein de save auto. Ça, c'est bien. Ça. Ma partie numéro 1. Ok, j'en profite pour arrêter la VOD qui sera en ligne bientôt, je pense. Des gros bisous VOD, c'était la découverte du jeu. Maître du donjon de Nalbuck, je vais le dire en français. Des bisous!